Et salut à tous YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Temtem. Continue la petite découverte. Ah mais je l'avais affronté lui. Ah non, il m'affrontait peut-être pas. Ah. J'ai un peu XP en off. Combat? J'ai un peu XP en off en fait et du coup je me suis restreint à la zone d'avant. Trop stylé sa tenue à lui. Mais pour l'histoire avec Instant Gaming, je vais le redire. Enfin, je vais continuer à te répondre. En gros, on va mettre en gros kick déjà. Je connais pas du tout les types de ceux-là. Du coup, il a fallu que je fasse la demande de remboursement Steam. Mais que, en fait, il faut que j'active un bouton comme Xenos me l'avait fait en cadeau. Pour que lui en fasse, en fait, fasse après la demande. C'est un sacré bordel. Il s'est fait rembourser. J'ai le jeu qui a été supprimé de mon compte. Et j'ai pu ensuite mettre le compte, le code Instant Gaming. Un sacré bordel, quoi. Bon, je me suis renseigné du coup sur le type vent là qu'il est Tuai. Et en gros ça a quasiment aucun avantage. En vrai j'ai regardé par rapport à la table de type, il y a quasiment pas d'avantage en vrai, ça fait x1 sur quasiment tout le monde. Je crois que c'est tout. En vrai si ça a 3 faiblesses je crois, un truc comme ça. Et c'est super efficace sur deux types de Temtem, je crois. C'est assez neutre en vrai comme type. Tu as du potentiel, aucun doute. Tu es fait prêt pour l'académie. Ah oui, j'ai récupéré je sais pas comment on appelle ça, une Tem boîte, une Tem box, j'en sais rien. Je sais même pas comment ça s'appelle. Qu'il y avait juste avant et j'ai récupéré une connerie. Le renfort d'endurance de base, très populaire à travers tout l'archipel, restaure 20 d'endurance. Oh, c'est pas mal ça! Ça s'utilise en combat ça? Je pense que ça s'utilise en combat, ça. Oh! En cours de développement. Ok. Je sais plus ce qu'il y a dans cette zone, du coup. Oh, s'il n'y a pas des Temtem sympas. Bien le bonjour à vous, collègue dresseur. Il fait un temps idéal pour être dehors, histoire de profiter de la brise marine, du parfum de l'herbe encore humide et des piaillements musicaux des Temtem. Ça vous dit un petit combat des Temtem? C'est la seule chose qui manque pour rendre cette journée absolument parfaite. Type détendu. Ils l'ont appelé type détendu. Ça me fume. On va faire du 2v1 là? Mais y a aucun respect. Ah, c'est pour ça qu'il est niveau 8, ok. Ouais, ça fait x0,5. Ouf, il m'a fait mal. Et on remarque la petite theme card pour nous dire qu'on l'a capturé. C'était vraiment vivifiant. Ok. J'aurais. C'est vraiment le genre de mot que j'utilise pas, ça, perso. Hein. Vivifiant. D'ailleurs, s'il y a des gens, je le redis, mais si. Je l'ai pas dit sur YouTube, mais s'il y a des gens qui veulent m'ajouter un ami, n'hésitez pas à m'envoyer votre idée. Bon, on va avancer parce que j'ai l'air d'être pas trop mal en XP quand même. T'as pas dit s'il te plaît. Non combat. Quel connard. Joe de Ganki. Ça j'ai pas regardé ce que c'était comme type par exemple. J'ai oublié ça. J'aurais dû me renseigner. Attends. Je peux utiliser ça tout. Hein. Ah c'est. Ah c'est les priorités qui indiquent si on peut. Non même pas. Comment ça se fait que lui je peux utiliser tour 1 et pas lui? Peut-être parce qu'il y a. Ah, il y a une. Ah, il y a deux traits. Ça doit être ça. Je pense. Ah, c'est ça, je crois. Je crois que c'est ça. Salut, rouleau. Salut, rouleau de PQ. Meilleur pseudo. Rafale de plumes. Ah ça... Wouah, 1 sur 4. Ah oui, c'est des dégâts négatifs ça. Ah, parce qu'il doit être vent et un truc qui ne me plaît pas. Ah non, j'aurais pas dû faire ça du coup, je suis con. Ah tant pis, j'ai mal joué. Hop,
Je vais juste me remonter ça, 2 secondes. M'enlever le mode studio. Voilà. Étincelle. Ouais, il doit être électrique. Ça doit être électrique et vol, je suppose. On va l'endormir. Ah non, quoique. Ça sert à rien en fait, parce que je vais le réveiller juste après. Je vais juste lui mettre un coup de pied. Ah, il est... Ah, il est KO. Il est dead. Bah écoute... Est-ce qu'on switch? On va juste le faire se reposer. Oh, ça se joue à rien en plus. C'est dommage. Je perds Ushik là-dessus. Salut Crazy. Comment ça va? Ah, je suis désolé pour lire le chat, je suis obligé de faire des alt-tabs. Je vois juste qu'il y a des messages qui pop sur mon tel. Vaincu, bah. Bah rien du tout, bon. Combat. Ah, vous m'avez tout l'air d'être un dresseur de Temtem, mais connaissez-vous vraiment bien vos Temtem? Savez-vous que chaque type de Temtem est plus ou moins efficace? Ouais, ça va, on s'en doutait. Contre le feu, du coup, pour le coup. Ouais. Préparez-vous au combat. Ok, donc lui, il doit sûrement avoir des types nature, eau et feu. Ouais, voilà. Ça doit être un type eau. Salut Nathalie Lou, comment ça va? Ça doit être un type haut, hein. What? Il est niveau 11. Heureusement que j'ai XP, du coup. Je pense que... Oh, il est tanky, en plus. Il crée peut-être... Il a peut-être pas une grosse défense P. Non. Échappe. Onde psy. Si je fais ça, il se blesse, si j'ai bien compris. On va faire ça du coup. Si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça marche. Alors. Nouvelle technique, manipulation d'énergie. Une technique mentale simple mais rapide qui inflige exténué pendant un tour. Ah, c'est ça que j'avais tout à l'heure. Ah, attendez. Ah ouais. Utilisée en combinaison avec un allié nature, cette technique inflige des dégâts supplémentaires ainsi qu'exténués pendant 2 tours. Ah ouais, ce genre de combo en plus, c'est vrai. C'est incroyable en vrai. C'est trop bien pensé. Je pense que je vais enlever ça. Ouais. Autant c'est une erreur. Hein. Regarde maman, un autre dresseur a fait la bagarre. Une seconde ma puce, nous devrions commencer par nous présenter. Bonjour étranger, je suis Yota et voici ma fille Ak. Gapi. Je suis ma beurre. Salut ma beurre. Battons-nous. Ok, parfait. Sport toxique. Ah, fait chier. Ah, du coup, en plus, il a pris trop cher, tu vois, en termes d'endurance. On va faire ça. Ça. Justement, pire nom. Il fait trop mal en vrai, Ushik. Et pourtant, je crois qu'il a des TV de merde. Non, c'est pas les TV, c'est les SV, je crois. Qui sont comme les IV. Il fait trop mal. Ah, j'avais pas vu, mais avec notre main en fait on met des... on leur donne des ordres, genre. Ah mince, il est épuisé, il s'est fait mal, j'ai même pas vu. C'était marrant, vous avez gagné 59 soleils. Vous êtes trop fort, Maver. Maver est un grand agapi. Mais un jour tu seras comme Maver. Quoi? Tu seras encore plus forte. Pour de vrai? Ouais, mange des légumes. Voilà, parfait. Pire truc, hein. Il a quand même dit pour devenir un grand dresseur, mange des légumes. Ok.
Bon, pour l'instant, du coup, on a que les deux Temtem de base, plus le troisième bonus, quoi. Mais je pense que plus tard, il y a des Temtem vraiment puissants, potentiellement. Ce que j'ai compris aussi du jeu, c'est que les niveaux d'évolution se font par rapport au niveau auquel tu as acquis le Temtem. Genre, il faut, par exemple, si t'as... S'il faut 25 niveaux pour un Temtem, bah, si tu l'as eu au niveau 5, il faudra qu'il soit niveau 30. Si j'ai bien compris. Ça là, les scales, ça je sais que tout le monde en a ça. Plus tard. Ça faut que je regarde où est-ce qu'on en chope. Ah, Kaku, ça évolue en Saku. Ah, peut-être. Ah oui, carrément même. Ah, ok, encore un combat. Mais il y a plein de combats en vrai. On se connaît, nous sommes déjà rencontrés au dojo. Bah non. Pourtant, je n'oublie jamais un village. Un visage. Un village. Je n'oublie jamais un village. Ah, il a son évolution! Oh l'enfoiré! Niveau 11? Comment il a fait? On va l'empêcher d'attaquer. On va le mettre exténué là, le petit pote là. Il utilise Bourrasque. Waouh! L'animation est propre. Ça fait tellement pas de dégâts. Regard noir, ça baisse quoi la def? Ok. N'est plus exténué. Ah ouais. Tadadadada. Il attaque en premier. Ok, parfait. Ça va, je suis pas trop mal en vrai. S'est fait mal tout seul. Dommage. Il s'est pété la gueule tout seul. Dernier tour, lettre. Bah du coup, on n'a pas le choix. En fait, on peut pas abuser du truc, genre. Il se fatigue, mais après, il faut attendre, il faut le faire patienter, quoi. Repose-toi un peu. Merci de me l'avoir dit. Picotis. Picotis. Et ça devrait être bon, parfait. Niveau 12. Quel beau combat, merci! Ah, ses cheveux, ils sont stylés à lui! Écoute, Zeynep, je ne peux pas te. Oh, pardon, je vous ai pris pour une amie. Qui est Zeynep? Une personne avec qui je suis en désaccord. Je peux peut-être vous aider. Eh bien, vous y connaissez un Temtem? Il y a peu de chances que vous puissiez m'aider si vous n'êtes pas un vrai dresseur. Mais j'en suis un, ça tombe bien. Bon alors. Zeynep et moi, eh bien. Tout allait très bien jusqu'à ce qu'elle. Vous allez trouver ça ridicule, mais enfin bref. Elle est hyper fan des Temtem vent. Moi, mon truc, ce serait plutôt les Temtem eau. Et vous ne comprenez pas, c'est personnel. L'eau et le vent ne font pas bon ménage. Nous ne sommes peut-être tout simplement pas faites l'une pour l'autre. Ah, c'est une fille, j'ai même pas remarqué, j'ai même pas regardé son visage. Les choses ont dégénéré au point où nous ne nous adressons même plus la parole. Je sais que je devrais faire quelque chose, mais je suis têtu, et elle aussi. Croyez-vous, vous pourriez l'affronter? Elle est têtue, pas cinglée. Je crois qu'il vaut mieux éviter que quelqu'un d'autre s'en mêle. En tout cas, dans l'immédiat. Ah, yes! D'accord. Mince. Du coup, il faut que j'ai... Bah, du coup, c'est pas le bon dialogue, du coup. Mince. Ok, donc je peux rien faire pour le moment, je vérifie au cas où. Ah, c'est elle du coup. Désolé, je n'ai pas trop envie de papoter. Un petit combat? Ah bah non, elle m'a dit non. C'est pas vos oignons. Ok. Oh, ils font du surf! Oh, c'est stylé! Oh, c'est stylé de ouf! Oh, j'ai trop hâte, je veux une planche de surf moi aussi. Eh bien, t'en as mis du temps. Bon, si je veux arriver à attraper mon dirigeable, je vais devoir filer tout de suite à Arisola. Arisola, pardon. Sinon, cela m'obligerait à attendre le narval et il paraît qu'il aurait bien besoin de réparations assez exhaustives.
Ne vous en faites pas, professeur Constantinos. Je comprends très bien. Partez, mon ami. Je vais m'occuper de ses enfants. Sophia. Stylée, elle aussi. Le chara-design, il est cool, en vrai. Merci mille fois, Sophia. La prochaine fois que vous passerez par Arbury, la tournée sera pour moi. Haha, je compte bien vous faire tenir parole, cher professeur. Mais je vois que votre jeune disciple vient d'arriver. Juste à temps, ma beurre, les enfants. Laissez-moi vous présenter ma grande amie Sophia. Elle est la maîtresse du dojo de Harisola. Salut, les enfants. Alors, comment ça va? Je vais vous emmener faire une petite visite guidée de Brissal de Mar avant de vous déposer à l'Académia. Mes enfants, c'est là que nous allons nous séparer. Mon dirigeable doit partir dans moins d'une heure, donc je vais devoir faire au plus vite. Je vais vous laisser entre les mains expertes de Sophia. Bon, c'est beaucoup de blabla. Ok. Je te parie que je peux arriver à l'Académia avant toi. Et comme elle a dit, passe me voir au dojo un de ces jours, pauvre naze. Ok, d'accord. Brissal de Mar, un paisible village de... Ça fait deux fois que je dis visage au lieu de village. Village de pêcheurs. C'est trop beau. Mais c'est magnifique. Avec des petites particules et tout qui volent. Ok. Waouh. Oh, c'est stylé le surf. C'est stylé ça. Je suis fan. Avec mon Temtem qui vole là. Qui dodge tout. Par contre ils sont... Ouais, ils sont vraiment grands les quais. Ok, est-ce qu'il y a des Temtem intéressants? Ah, il va me bloquer. Ok, faut que j'aille acheter une fiole. Ok, il veut juste que j'achète une fiole, parfait. On va aller acheter une fiole. Et on va aller voir ce qu'il y a là. Utilisez le theme deck. Lorsqu'il n'y a plus de place dans votre équipe, vos temtem capturés sont rangés dans votre theme deck. Ah, c'est ça, le PC en fait. Ok. Ça, c'est quoi? Bienvenue au temporium de Brissal, que plus cher pour vous. Achetez. Ah, ok, c'est la vendeuse. Fragrance. Ah, ça me tue. Combien j'ai de theme cards? Ok, 16. Ouais, c'est pas... Est-ce qu'on a besoin de repousse? Pas vraiment. Oh, y a tellement de trucs. Boom, ouais, ça on en a. C'est les trucs que j'utilise jamais, ouais. Composants susceptibles d'entraîner une réaction allergique. Poussière de cristal, gluten, matière fécale de cannabis. Disciple étant empoisonné, affectant un temtem. Éther. Le renfort d'endurance, ouais, ça on en a, ça on en a. Ding ding, ok, ouais. Ça on va en prendre un. De cannabis. Bref. Bonne journée à vous. C'est très beau ce petit intérieur là. Petit espace de soins. C'est stylé, on voit les autres se soigner leur temtem. C'est incroyable. C'est trop stylé, j'adore. C'est trop bien pensé. Il y a les mecs, ils attendent devant le PC genre. Tu vas m'affronter. C'est trop stylé. Ah, je suis fan. Je ne suis pas en vacances. Oh, je vois en fait. Votre visage me dit quelque chose. Oh, mais minute, on se connaît, tu es le fils d'Aina, pas vrai? Voilà, comme tu as grandi la dernière fois que je t'ai amené ici, tu n'étais qu'un bébé gazouillant. Quoi? C'est quoi cette expression? Tu ne t'en souviens probablement pas, et te voilà apprenti aujourd'hui, incroyable. Bref, que puis-je faire pour toi? Tu cherches quelque chose en particulier? Une fiole, mon pote? Bien sûr, je crois qu'il m'en reste une petite seconde. Voilà, aucun dresseur digne de ce nom ne part à l'aventure sans témescence. C'est une substance très puissante, donc on la conserve dans de petites fioles. Une seule dose suffit à soigner toute une équipe de Temtem. Ah, d'accord. Mais, je ne vais quand même pas faire payer un ami de la famille. On va plutôt s'arranger autrement. Je suis heureux de t'en faire cadeau. Si tu prends au sérieux ta carrière, c'est le cas. Je n'en doute pas, mais il va falloir m'en donner la preuve avant que je te fasse des cadeaux. Si tu arrives de Zadar, tu as dû capturer des Temtem sauvages au cours de ta... De route, c'est la moindre des choses que l'on puisse attendre d'un dresseur. Apporte-moi n'importe quel Temtem de la côte... Prasine, n'importe quel apprenti digne de ce nom serait en mesure de le faire. J'ai un pájaro. Quel adorable oiseau. Regarde-moi ces plumes dufteuses. Belle prise, ma mère. Très bien, tu as clairement la trempe d'un grand dresseur. Tiens, prends cette fiole de thémessence. On va y arriver. Hein. Comme je te l'ai dit, la thémessence est une substance très puissante, ce qui explique pourquoi les dresseurs n'en transportent en général pas plus d'une seule dose sur eux. Mais ne t'en fais pas, tu pourras remplir ta fiole auprès des stations de thème soins ou des temporiums.
de thèmes soins des Temporiennes, pardon. De plus, certaines personnes seront parfois en mesure de te ravitailler en thémessence. Une fiole contenant suffisamment de thémessence pour soigner toute votre équipe. Vous pouvez la remplir auprès d'une station. D'accord. Et des planches de surf? Ok, donc faudra... Rendez-vous au dojo. Ok, d'accord. Et voilà, du coup, je peux aller ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un dresseur juste derrière, on l'a vu. Des scales! Oh, ça, je sais que tout le monde en capture. Je vais essayer d'en capturer un. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais... On va essayer. Je vais le mettre KO, là, non? Non, ça va, parfait. Griffé! Ou griffer. Je sais pas, le... je sais pas si on dit griffer ou griffer. Il y a un jeu de mots, sûrement, mais... Enfin, il y a un jeu de mots, c'est sûr, même. Alors, et hop, thème carte pour lui aussi. Vous avez capturé un scale. Il a beaucoup d'attaques spé. Ah, c'est neutre. Ah ouais. Charognard. Restaure 20% du max de PV si un autre Temtem est mis KO. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Bon, pour l'instant, on va le garder. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. Bah, c'est quoi ça, gros? On a vu l'évolution de notre Temtem aussi. Oh, il avait un gros serpent chelou là. Oh, c'était badass. Hein. Ok, bon, on va aller à cette fameuse académie. Ah, faut que j'aille au donjon. Attends, mais on va aller voir ce qu'il y a dans l'académie, quoi. C'est bizarre, je peux aller... En fait, il y a marqué... La quête à droite, il y a marqué qu'il faut que j'aille au dojo. Trouvez-vous une place. Nous étions sur le point de commencer la leçon d'aujourd'hui. Je suis obligé... vraiment obligé de le faire. Non, on s'en fout. On s'en fout, non? C'est pas important. Oh, c'est stylé, on peut s'asseoir sur les chaises et tout. Ah, on pourrait aider la directrice. Connaissez-vous Youssouf ou Roger? Ils sont dans la même classe que vous. Eh bien, ils sont introuvables, ils ont raté tous leurs cours. Tout comme vous, mais je dois reconnaître que je commence sérieusement à m'inquiéter. Pourriez-vous essayer de les retrouver? La seule chose dont je me souviens, c'est que Roger semblait très excité à l'idée de recevoir un surf pour son anniversaire. C'était la semaine dernière. Où les avez-vous vus pour la dernière fois? Hélas, je ne les ai pas du tout vus aujourd'hui. D'accord, je vais les retrouver. Très bien, je vous prierai de rester discret. Nous ne tenons pas du tout à ce que Carlos se mêle de cette affaire. Cela attirait bien trop l'attention. L'académie a une réputation à tenir. Les gamins disparus. On va juste continuer l'histoire principale, je pense. Oh là là, regardez-moi cette montée. Ah, c'est un combat double. Olez-vous. Turquez ça. Merde, c'était quoi le nom de la ville d'avant? J'ai oublié. Alors mon scale du coup il va se faire exploser sûrement. Ça, ça fait quoi du coup? Poignée de sable. Non, pas mon scale. Ah, il peut pas XP. Ça va être chiant, il va pas pouvoir XP. Ça va être chiant. Non, faut que j'annule du coup. Faut que je fasse aérolame sur lui. Non, j'ai mis ce clic. C'est l'inverse que j'aurais dû faire. Parce que lui, il est... comme le scale est neutre. J'ai pas exprès. Justement, je voulais faire l'inverse. Umishi! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
c'est pas le... Oh, ça, il m'en faut un, ça. 100%, c'est un truc trop bien. Boum. Et il tue les deux? Il tue les deux, parfait. Ah, il en reste un. Je crois. Niveau 13. Pige pique. Il en reste un. Bah il va se blesser, mais c'est pas grave. C'est pas très grave au pire. Bon, il s'est enlevé 2 HP, bon. Ok. Bon bah ça a été là pour cet épisode YouTube, j'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois du coup on ira à Arisola. Comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser vos retours sur le jeu, à me laisser un petit pouce bleu si ça vous tente de me soutenir, à faire un tour sur YouTube, tout ça, des bisous, ciao tout le monde.